Merci. Après la présentation de la bande d'isolement, la bande à cas de tout pour permettre d'alimenter notre système en pression ou de couper la pression dans notre système, un peu comme le sectionneur en installation électrique. On va donc présenter l'élément de commande réactionneur de notre système informatique qui est le distributeur. Donc voilà le symbole schématisé de notre distributeur. Ça, c'est commande un distributeur 5 sur 2. La commande électropneumatique, ça veut dire que si on a de l'air, on peut envoyer ici, on peut envoyer de l'air ici, et quand on envoie de l'air ici, ça va nous permettre de pousser notre coulisseau qui est à l'intérieur, ça s'appelle le coulisseau qui va libérer les orifices en fonction de l'accord, l'élément de commande. Maintenant, quand vous voyez donc sur ce schéma, on a écrit ici P1, 3B, 5B, 2B, 4A, ce ne sont pas des chiffres au hasard. En pneumatique, le chiffre 1, c'est le chiffre où on peut toujours la pression au départ. Le chiffre 4 et 2, c'est le chiffre où sortent l'air pour entrer dans les chambres du verrou, utilisé uniquement pour la sortie de l'air au niveau des chambres du verrou. Voilà. Donc, maintenant, on vous donne la pression qui traverse ces orifices. Elle va de 0,1 à 0,7 mégapascal. Voilà. Donc, si c'est pour la commande pneumatique, on pourra envoyer de l'air ici et ça va aller vers, ça va permettre à ce que l'air qui arrive en pression au niveau de P1 puisse sortir. Et maintenant, comme P1 de ce côté, ça veut dire qu'au repos, c'est cette partie-ci qui est utilisée au repos. La partie de gauche est utilisée au repos. La partie de ma main gauche est utilisée au repos pour dire l'arrêtement. Voilà. Bon. Maintenant, si je veux donc utiliser une commande électrique, qu'est-ce que je veux faire? Je veux donc enlever ceci. Et j'ai donc des bornes là, des contacts là. Donc j'ai les contacts normaux open qui sont là, de part et d'autre. J'ai les contacts normaux open de part et d'autre. Là c'est le GND. On écrit la GND. GND. J'ai un contact normaux open. Donc si j'envoie du courant ici, pour le sauver, pour le sait, il va laisser passer l'air au niveau de la chambre des verrous. Remarquez bien que au niveau de mon distributeur, j'ai ce qu'on appelle le filetage interne. Ça veut dire que je ne peux pas prendre le tuyau directement et connecter dessus. Il va falloir utiliser des coupleurs que je vais parler dans une autre vidéo. Je vais revenir sur ça dans une autre vidéo. Merci.